singulier parce que chacune dans cette démarche, disons à deux, garde son intégrité, son originalité, et puis pluriel parce que justement dans cette exposition il y a des vues différentes d'un même sujet qui est l'homme. L'homme en marche, l'homme qui, dans son cheminement de vie, dans ses réflexions philosophiques ou autres, c'est notre thème principal. L'homme au sens général est donc l'homme qui marche. Vous le voyez aller où cet homme-là? Ben, c'est l'humain en général, là, qui paraît, qui apparaît, qui disparaît, qui, pour arriver à son être profond, qui sommes-nous? Où allons-nous? Que faisons-nous en général en tant qu'humain? Est-ce que vos œuvres, elles restent interrogatives ou est-ce qu'elles apportent des réponses à ces questions-là? Non, pour moi, elles restent quand même interrogatives et on regarde qui on est, on se pose bien sûr des questions interrogatives. Non, c'est jamais fini, en fait. Non. La quête de l'homme n'est jamais terminée. Oui, elles traduisent aussi notre cheminement à nous. Personnel, hein. Cheminement personnel, artistique, voilà. Et voilà, notre chemin de vie, en fait.